Après 3 ans d'absence, le gala de l'excellence des jardins de la Chambre de commerce de Matane est finalement de retour. Une soirée haute en couleurs qui vise à reconnaître l'excellence et la réussite des entreprises de la région. La Chambre de commerce de Matane tenait son 23e gala de l'excellence avec Desjardins comme partenaire majeur au Riotel samedi soir dernier. Les presque 300 convives présents ont eu droit à tout un gala. Un scénario idéal pour forcer les conversations, cette séance imposée de réseautage régional a rapidement fait ressortir un constat. La communauté d'affaires de la MRC de Matane apprécie de se retrouver ensemble, de pouvoir échanger et cette fois de profiter du moment pour discuter des résultats anticipés par chacun. Monsieur Martin Desrosiers, président d'honneur, nous en parle. C'est extraordinaire de voir les gens du Matane Inc. Présents ici, de belles relèves, là, de gens là, qui vont procéder là, ou qui ont déjà procédé à la relève là, des entreprises déjà existantes. Moi, là, j'ai vu les nominations, j'ai entendu déjà quelques gagnants, là, c'est extraordinaire. La remise du prix Entreprise de l'année est allée à la compagnie Arsenault au grand plaisir de son fondateur, M. Alban Arsenault, et son équipe. Un hommage a aussi été rendu à un bâtisseur décerné cette année à M. Paulo Gauthier, qui s'est avéré un beau moment chargé d'émotions. Nous avons rencontré quelques lauréats et voici ce qu'ils avaient à dire. Qualité service à clientèle. C'était d'ailleurs le seul secteur que je me suis présenté parce que c'est celui qui me tient le plus à cœur. J'ai déjà gagné il y a quelques années, je ne m'étais pas représenté. Ça, c'est comme gagner la Coupe Stanley au hockey. T'as gagné une année, c'est facile. Mais leur gagner l'année d'ensuite, c'est encore plus difficile. Puis, écoute, on travaille beaucoup avec des jeunes, donc on a tout à leur montrer l'importance du sourire et tout le kit. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis vraiment content. J'ai comme senti les choses venir. Je voulais gagner. J'ai même convoqué un meeting avec mes employés la semaine prochaine. Juste pour lui expliquer qu'avec le sourire, on peut faire des grandes choses. Puis pour moi, c'est important. Puis ce prix-là va me donner la notoriété peut-être auprès d'eux autres pour être capable de lui dire, regardez, continuez à sourire et être gentil, ça va vous ouvrir les portes d'envie. Sur le web, Riotel Matane, sans contredit, une vitrine sur notre région qui rayonne bien au-delà. Ça représente les efforts que l'équipe des ventes et marketing met à tous les jours pour positionner non seulement Riotel au niveau local, régional, mais sur la scène internationale. D'ailleurs, on apprenait après-midi dans un cahier spécial de la presse que Riotel était reconnu un des meilleurs hôtels au monde, à côté des hôtels de Paris, Dubaï, Barcelone, Mexique et un peu partout dans le monde. Alors, c'est une double joie ce soir pour le groupe Riotel. Alors, gagner un prix chez nous, dans la ville de notre siège social, où tout a commencé pour le groupe Bertrand Rioux, c'est vraiment une fierté pour tout l'ensemble de la famille des entreprises. La commode verte est une ressourcerie et un grand magasin écologique voué à la réduction à la source, au réemploi et à la valorisation d'articles usagés. Développement durable, en raison de l'entreprise, de son caractère écologique, bien entendu. La commode verte, coopérative de solidarité, spécialisée dans la vente de produits écologiques, réemploi, produits éco-responsables. On a vraiment travaillé très fort. C'est un projet qui sort des sentiers battus, qu'on s'est fait décourager à plusieurs reprises de le faire. C'est un secteur qui est peu connu, donc c'est nous qui traçons les sentiers. On se fait demander fréquemment si d'autres types d'entreprises existent du genre, puis on s'est rendu compte que non. Fait qu'on est vraiment fiers d'avoir développé quelque chose, mais c'est vraiment beaucoup de travail. Somme toute une soirée exceptionnelle, un repas gastronomique dans une salle devenue grandiose grâce à la touche de déco et de lumière combinée aux attentions soignées qu'on retrouvait à chaque moment. Le comité organisateur a de quoi être fier. La région de Matane a vécu en 10 jours 2 événements hors du commun. En réalisant coup sur coup un succès et un autre, la Chambre de commerce a mis la barre très haute pour le gala qui marquera son 100e anniversaire de fondation.